tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 16 de Tezo. Putain, on est vachement grand en fait, comparé au petit machin. En même temps, il s'est peut-être mis nain, lui, je sais pas, tout petit. Donc là, on va faire la... C'est qui ? Tanis Alf. Ah, demi-elfe, d'accord, tu es un hobbit. Vous voici, Vestige. Je vais vous parler de toute urgence. Bonjour, prophète. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé un refuge d'où nous pourrions dresser nos plans. Vous devez me retrouver là-bas. Il est où le refuge ? Je me suis réveillé sur une plage, une étendue de sable devant une cité elfique affairée, le guet de Vulkel. Le port se trouve dans une caverne maritime près de la ville. C'est là que vous me trouverez. Ok, ben je viens au plus vite. Alors, nous avons plusieurs quêtes. Histoire principale et Audrillard n'a que deux quêtes. Donc on va aller vers vers ça. On va activer celle-là. Celle-là, d'accord. Donc c'est le temps que je m'habitue un peu à la carte aussi, parce que je joue pas beaucoup. Je pense que je faudrait que je me fasse une énorme session. Ouais, parce que du coup j'ai tellement envie d'y jouer, mais j'y joue pas. Je me suis réussi à me perdre. J'ai réussi à me bloquer aussi. Alors, un loup. Oh, d'accord. Par contre, ouais, merci. Trouvez la suite de la reine à Tanzewill. Bon, nous sommes où? C'est quoi le point où je suis là-bas? D'accord, et là c'est quoi trouver le port? Donc ça, le port, c'est la quête principale, ça. C'est ça. Donc on va aller à Tanzewill. Du coup, c'est quoi ça? Alduin, en dessous. Aldunier. Grâce aux étoiles, ce Vazar n'arrête pas de me passer. Écoutez, vous devez atteindre Silselen. Aidez-les avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'héritage voilé. La ville brûle. C'est allé si vite. Silselen est droit au nord. Suivez la route et trouvez la fille du haut chanoine, Hélène Wen. Elle saura quoi faire. D'accord, je la trouverai et je ferai ce que je peux. Ah, donc par contre, recette, ok. Il n'y a que des... Ouais, c'est ça, des ailes. Là, italien, même, je dirais. Je sais pas, je suis espagnol. Ouais, je dirais plus italien qu'espagnol. Ah, si je regarde le chat, mais vu que je parle pas du tout comme eux. T'as les mots, là, ouais. Ah, il y a un truc là qui pourrait m'intéresser. La dame. Ouvrons-le. Alors vivement que j'ai une monture quand même, hein, je vous dis clairement. C'est niveau 10, je crois. Et je maintiens pour interagir, mais je voulais pas faire de compliqué. Donc quelle pêche, ça doit être un métier, je pense. Ah d'accord, c'est au milieu de l'eau en fait. La dame. Ceux qui reçoivent le signe de la dame bénéficient d'un bonus en augmentant la résistance physique. Bah, j'accepte vu que j'en ai qu'un. Voilà, c'est cool. Enfin, je me renseigne un peu sur, sur quoi et où, que quoi, avec qui, quand ça, pourquoi. Elle habite super loin. Un papillon. Je peux le taper, d'accord. Ah, je peux juste le prendre, d'accord. Morceau d'un insecte. Oh, me dis pas que c'est dévasté ici. Un singe, ouais, non, on va faire pas du mal aux gentilles bêtes. Le repos du singe. J'ai découvert le repos du singe, cool. Ah oui, grave, il y a des singes de partout. Putain, c'est quoi cet endroit?
Mais sérieux, la reine, là Elle est là, et... Bon, on ira après. Je sais pas, les quêtes sont un peu fouillons. Fouillis, brouillons. Ou brouillis, c'est vous qui voyez. Allez, je pense qu'on a trouvé la... Voilà. Tinsel Wheel. Bonjour, ma reine. Non, le prince. Bonjour, mon prince. Vous m'avez l'air familier. Nous sommes-nous déjà rencontrés? La reine m'a demandé de la retrouver ici. Ah, le guet de Vulkel, bien sûr. Tout à fait. Bienvenue à Tinsel Wheel. Peut-être parviendrez-vous à établir le dialogue avec Sa Majesté là où nos tentatives ont échoué. Ok. Je suis content de vous voir, favori de la reine. Nous sommes venus à Tinsel Wheel pour honorer les esprits de nos ancêtres. Mais on dirait qu'ils sont déterminés à tous nous tuer. Pourquoi vos ancêtres tenteraient-ils de vous assassiner? Voilà une excellente question à laquelle je n'ai hélas aucune réponse. Ma chère sœur, votre reine, nous a menés en ces lieux dans le but d'accomplir une cérémonie. Tout cela pour recevoir la bénédiction des morts. Croyez-moi, ce n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux. La reine a-t-elle des ennuis? Si les ennuis ne la trouvent pas, c'est elle qui ira à leur rencontre. Et elle les invitera même à dîner. Elle se trouve dans les ruines, non loin d'ici. Elle conspire avec le commissaire, et ils sont résolus à accomplir la cérémonie. Soyez un bon sujet, et faites en sorte qu'elle survive. Voulez-vous bien? Je vais voir ce que je peux faire. Je vous assure, j'ai l'impression d'être de retour chez moi, en plein festival de la nouvelle vie. La famille commence à boire dès le midi, et tout le monde veut votre mort. Qui sont ces gens? Oh, vous savez ce que c'est. Dans les eaux au large de l'île vivent d'immenses créatures marines. Des bêtes plus petites s'accrochent à leurs flancs et se nourrissent de leurs déchets. D'accord. Eh bien, c'est pareil sur Terre avec les nobles. Pourquoi la reine doit-elle se plier à ces rituels? C'est la tradition. Quand un nouveau monarque monte sur le trône, les divers rituels et cérémonies n'en finissent plus. J'avais moi-même enduré plus de la moitié des 88 jours de chant liturgique nécessaires pour être couronné quand ma chère sœur est revenue. Ah, donc t'étais censé monter sur le trône avant qu'elle revienne, quoi. Oh oui. Quand notre père, le roi Idélite, est mort, puis son règne baigné dans la gloire, elle a été désignée pour entamer les cérémonies. Mais elle est partie. Comme ça. Pouf. Disparue avant même d'entrer dans le labyrinthe du Sapiarche. Et s'agit-il d'une autre obligation cérémonielle? Exact. Et c'est donc moi qui ai dû passer 3555 jours à étudier les traditions et le cérémonial Altmer comme l'exige la coutume. Mais je m'éloigne du sujet. Ouais. Ok, bon bah je te remercie, au revoir. Il faut aller voir la reine. Bonjour. Nous implorons nos glorieux ancêtres de nous transmettre leurs souvenirs et leur sagesse. Vos ancêtres vous renient, usurpatrice. La reine voilée est la véritable héritière. Et Norion mettra fin à votre règne. La reine, prenez garde. Ah. Ok. Ah, ça pue un peu. Eh bien, les choses auraient pu mieux se passer. C'est peut-être à cause de ce stupide nous royal. Nous en appelons à nos ancêtres. C'est plutôt condescendant, n'est-ce pas? Ben, vous êtes la reine. Ne m'en parlez pas. Cette cérémonie est censée montrer à Auridia à quel point j'honore notre culture et notre héritage. Elle doit montrer que nos ancêtres me perçoivent comme une héritière digne de ce nom. Je suppose que nos ancêtres ont des idées bien à eux. Pourquoi l'esprit vous a-t-il menacé? Je l'ignore. Il a parlé de Norion, mon conseiller. Je crois que vous l'avez rencontré au guet de Vulkel. Mon ami, quelque chose a mal tourné. Je déteste vous solliciter à nouveau, mais je n'ai pas le choix. Allez, je t'écoute. Il y a deux prêtresses dans les ruines, deux femmes en qui j'ai confiance. Si Norion s'est retourné contre moi, je crains pour leur vie. Restez avec elles pendant qu'elles accomplissent leur part de la cérémonie. Veillez sur elles. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Ces cérémonies sont importantes pour mon peuple, donc elles sont importantes pour moi. Enfin... Je crois. Et qu'est-ce que tu vas faire ici, Marine? Poursuivre les rituels, bien sûr.
Les prêtresses m'attendent. Aucun spectre récalcitrant ne m'empêchera de terminer ce que j'ai commencé ici. Et pourquoi tu dois accomplir le rituel? On se doute un peu. Comme je l'ai dit, les cérémonies sont pour le peuple. La population a toujours pris part au couronnement du nouveau monarque Altmer. Mes sujets sont déjà assez inquiets suite à mon absence prolongée. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent me faire confiance. Et pourquoi Norion se retournerait-il contre vous? Est-il... Et qui est la reine voilée? Ouais, c'est qui la reine voilée? Je n'ai aucune idée de l'identité de la reine voilée. Peut-être est-ce la chef du groupe qu'on appelle l'héritage voilé. Il y a des chances. Et si vous voulez mon avis, Norion vendrait sa propre mère s'il pensait pouvoir en tirer un bon prix. Ainsi donc, la perfidie de Norion ne vous surprend pas? Norion était un fervent partisan de mon père. Et après lui, il a soutenu la candidature de Némon au pouvoir. Il a exprimé très énergiquement sa déception quand je suis revenu prendre la couronne. Pour Norion, tout cela n'est qu'un jeu de pouvoir. Et je ne jouais pas selon ses règles. Et l'héritage voilé, c'est le groupe auquel appartenait Astania? Précisément. J'espérais qu'Astania était à la tête d'une petite faction dissidente ou qu'elle avait donné un nom grandiose à un ramassis de vauriens. S'ils sont capables de nous atteindre jusqu'ici par l'intermédiaire de Norion, alors la menace n'est pas négligeable. Ok, merci, au revoir. Faut aller où? Le plus près, c'est quoi? Là, aider la prêtresse ou aider la prêtresse au sanctuaire occidental, c'est quoi? Au sanctuaire nord. On va prendre celui qui est... Je regarde où, là? D'accord. Bon, on va aller là. C'est tout droit. Et c'est pas loin. Prêtresse? Attention. Ne vous approchez pas trop de la pierre. On dirait que des énergies nécromantiques en émanent. C'est quoi? Je n'en suis pas certaine, mais cela me semble dangereux. Ne trouvez-vous pas? Ces pierres sont apparues cette nuit, à des endroits clés des ruines, et aujourd'hui, les esprits ont perdu la raison. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Je suis certaine que tout est lié. Tout cela n'a rien de très naturel en même temps. Pour sûr, c'est inquiétant. Des forces maléfiques sont à l'œuvre ici. Je possède un puissant emblème Altmer, utilisé pour des bénédictions en ces lieux. Je pensais l'utiliser sur les pierres, mais je crains fort de ne pas en avoir le courage. Voudriez-vous bien vous en charger pour moi? Oui. Ok, je m'en occupe. Voilà. Ok. Voilà, c'est fait. Par les dieux, ça a marché! Vous avez détruit la pierre! Oui. Que dois-je faire avec votre symbole sacré? Gardez-le pour le moment. Vous pourriez en avoir besoin. Si l'on retrouve l'une de ces pierres, je vous rejoindrai. En attendant, je dois aviser la reine de vos progrès. Yeah, ok, merci. Je vais voir l'autre, du coup il y en a quatre. Yes, bon niveau vie, on est pas super top, mais alors, je vais aller là, ouais. Easy. Je vais dans le labyrinthe. Ah merde! Les ancêtres vous bénissent. Merci.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, chérie? Guide à travers les jours. Ok. Ça va repop ou pas? Ça repop. C'est bon, vas-y, fais ton prochain. Puissions-nous recevoir l'honneur de vos humbles prières? Normalement, il en reste un, c'est ça? Le rituel est accompli. Merci. Vous pouvez partir. Yeah! Deuxième rituel. Ok, on se taille. Bon, c'est cool, c'est que j'étais pas tout seul. Des fois, il y a des trucs qui sont... J'allais où là? À gauche, juste là. Ah ouais, d'accord. Je la suis en fait. Oui. Allez. Voilà. Et une pierre. La deuxième, elle est tout droit, d'accord. On va tracer. Selon notre prêtresse, certains esprits ancestraux sont plus sensibles aux pierres de corruption que les autres. Elle ne sait pas lesquelles seront les plus affectées. Heureusement, les pierres n'auront pas d'effet sur ceux qui resteront à travailler à mes côtés, en particulier Colanwe et les esprits de nos ancêtres Norion. C'est cool. C'est ici. Ouh, t'as déjà tué tout le monde devant moi. Il nous reste 2 minutes, c'est cool. Voilà, bon, je passe un peu à côté quand même. C'est super, elle m'a ouvert la marche surtout. Comment tu t'appelles? Coco. Et bah je te suis, du coup c'est parfait. Merci petite Coco. Vous avez vu? Oui. Elle a essayé de me tuer. Colanwe est un esprit ancestral qui hante ce bosquet. Elle a toujours fait preuve de malice, mais je ne l'avais jamais vue si violente. Et où est l'esprit? Elle est à l'affût, prête à bondir dès que je baisserai ma garde. Je ne puis mener la cérémonie de la reine à son terme tant que vous ne l'aurez pas chassée de ce plan. Soyez prudent. Elle vous étripera si vous lui laissez la moindre ouverture. Oh, ok, ça marche, merci. Bouge. Merde, je suis crevé. Oh putain, je suis mort. Ah, je vous empêche de faire... ok. Rempli, j'ai pas, je peux pas.
Bon bah revenir à la vie, à l'oratoire. Ah la violence, je me suis fait défoncer. L'oratoire, c'est du coup je suis loin là je suppose. Ça va, je suis pas trop loin. Je suis pas trop loin. J'ai abusé quand même. Elle m'a mis tellement cher. What the dot. Oula. Non, c'est cool. J'ai fait un petit saut de cabri entre deux. Il est passé, nickel. Merde. Mais trop au piège entre deux quoi. Fait chier là. Elle est hyper puissante. Et puis là l'épisode est terminé, normalement je reviens que l'or. Faut que j'aille travailler. Merci. Maintenant, merci je les dois gars. Mener le rituel. Ouais, je me suis un peu servi de vous quand même là. Que l'esprit de nos ancêtres nous bénisse et nous guide. Mec. Puissions-nous honorer leurs souvenirs par nos actes comme par nos pensées. Les anciens vous bénissent pour vos prières. Ok. À la demande de la reine, j'ai accepté d'accomplir la partie du rituel. Ce qui veut dire, hop là. Adressez-vous à la reine. Donc on va aller voir la reine. Ok, c'est la dernière chose qu'on va faire. On a deux trucs à vérifier. Oui, bah ça va. T'es pas juste, t'as une monture et pas moi. Bon, il faut plus petit combat là. Bonne chance, merci. Arène, y a quoi là derrière là? Ces pierres sont vraiment des artefacts fascinants. Je me demande d'où elles proviennent. Tu veux récupérer ton symbole sacré? Attends que la dernière pierre ne sera pas détruite. À ma connaissance, il n'en reste qu'une. Oh, ok. C'est là. Voilà. Prêtresse. Il s'est passé quelque chose. On dirait que les esprits se sont calmés. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez réussi. La folie les a quittés et les esprits ancestraux sont apaisés. Cool. Toutefois, je perçois toujours quelques reliquats de magie nécromancienne. Ah. Restez donc sur vos gardes. Ces pierres étaient puissantes et nous ressentirons sûrement leurs effets quelque temps encore. Ok, bon voilà. Chausson monastique. La reine, du coup. Mon ami est de retour. Les rituels sont-ils terminés? Les prêtresses sont-elles à l'abri? Bien, ma reine. Quel soulagement. Merci. Oui. Mais le plus difficile reste à venir. Oui, je me doute. Le rituel final doit être accompli dans le tombeau ancestral, là où réside certainement le plus puissant des défunts. Ok. Si je dois devenir reine, je dois savoir affronter et dominer mes peurs. Je ne saurais demander à mon peuple de croire en moi si je doute de mes propres facultés. Dans ce cas, ma place est à vos côtés. J'étais une guerrière avant d'être reine. J'ai de la ressource. Toutefois, vous me semblez déterminée, et je vous sais téméraire. Votre compagnie serait la bienvenue. Ah, c'est un honneur. Je saurais m'en sortir. J'étais déjà une guerrière longtemps avant de devenir reine. Les rituels de la reine. Laissez-moi vous accompagner, votre majesté. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là. Sauf Simon. D'accord, faudra parler à la reine. On verra ça pour le prochain épisode. Tout simplement.
Je n'arrive pas à me tourner. Voilà. Pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ouh.